Salut à tous et à toutes, c'est Cipro de Mass Gaming et nous voilà pour la partie d'épisode 4 du Let's Play sur Fear. Épisode 4 et donc au bout de cet épisode, normalement nous en serons à un peu plus de 2 heures de jeu. N'est-ce pas là formidable? Alors, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, donc on a démonté le gros mammouth là. Voilà. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui regarde bien entre. Enfin, qui n'aime pas les faux raccords, vous aurez remarqué que les personnages que j'ai tués là ont changé de place. C'est dû au fait que, encore une fois, l'enregistrement n'a pas pris. Donc, je me suis pris 20 minutes dans les dents, plus refaire tout le passage depuis une certaine sauvegarde. Enfin, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça maintenant, je vais sauvegarder tout de suite, voilà, écrire cette sauvegarde, oui, voilà, c'est bien. Et c'est parti, on y va, on continue donc de jouer à Fear. Donc je reste avec vous, et vous restez avec moi, c'est parfait, tout le monde est content. Voilà. Alors... D'accord, hop, alors... Là, il y a un hélico qui vient d'arriver. Ah oui, alors. Là, je sauvegarde. Bah parce que forcément, vous allez dire, ouais, c'est ce qui va se passer, etc. Mais oui, mais. Le problème, c'est que je vous dis, mais j'ai dû avancer sans coup sur le flag, c'est pas. Die, motherfucker! C'est pas trop des bourrins, déjà ils ont retiré des grenades. Alors, bon bah il va falloir sortir, hein. J'aime bien parce que là je fais vraiment un gros bourrin qui tire toutes ses munitions comme un fou furieux. Voilà. Ça c'est fait. Ah non, il en reste un. Mon Dieu. Wow. Alors ça c'était un très bel effet bullet time. Est-ce qu'on va le décapiter lui? Non, même pas. Bon. Bon, en fait, je crois que pour faire des bonnes vidéos de Fear qui ne rament pas, en espérant que celle-ci ne rame pas, enfin, en espérant que ça filme, je veux dire, en fait, il faut que je démarre une fois le jeu, que je l'arrête et que je redémarre le jeu. C'est génial, quoi. Sinon, ça va laguer tout ça. Dirigez-vous vers le QG d'ATC et trouvez cette aide. Ouais, vous voyez, on a un Black Hawk juste pour nous. C'est trop cool. Ah là là. Et alors, il va tenter d'entrer par le toit du quartier général d'Amakam. Ouais, voilà, donc en gros, on va encore faire équipe avec les bras cassés. Et puis, on va devoir entrer dans Armakam pour capturer encore. Enfin, pour descendre Paxon Fetel. Alors, interface, que pouvez-vous nous dire sur votre équipe de reconnaissance? Infiltration. Alors j'aime bien, infiltration. Vous allez voir, c'est pas vraiment infiltration, hein. Déjà la façon dont on arrive, c'est pas le truc le plus, comment dire, plus discret, hein. Confirmation impossible. Pas de revendication. Non, en effet. Alors. Je sais même plus quel est le complexe, c'est le celui-là. C'est celui-là. Ouais, alors déjà ça recommence bien, ils sont déjà encore morts là. Putain, mais vous parlez de bras cassés quoi!
Alors, normalement, il doit rester quelques soldats. Je dis bien normalement, ils sont en haut. Ils sont arrivés. Alors, on va se planquer, on va utiliser. Je sais pas pourquoi je mets le bullet time quand je recharge. Alors. Hop, merci. Voilà. On peut donc continuer notre périple. Je fais une sauvegarde rapide, on sait jamais. Toujours pas de nouvelles de Jankowski. C'est comme s'il avait disparu. Je sais pas pourquoi on continue de s'inquiéter du chauve. Enfin, je veux dire. Bon, d'accord, si je jouais roleplay, je dirais. Alors, Jankowski, au secours, au secours. Mais je veux dire, le gars, il a rien fait d'autre pendant. Excusez-moi, un petit coup de barre. Le autre, enfin, je veux dire, celui-là, il a rien fait d'autre que pousser une caisse de merde, là, depuis le début du jeu. Alors, je veux dire, bon, d'accord, c'est sympa, mais. Oh yeah, le Garry's Mod. The sandwich. Sandwich. Alors, ouais, un bonus de vie. Voilà. Fuck quoi. Voilà. Ok. C'est vrai que lui j'aurais pu aller me le faire style ninja quoi. Wow 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 wow. Je l'arrache en deux. Ouais. Alors moi ça c'est un truc que j'aime bien dans Fear. Les mecs vous savez qui sont là, ils continuent de tirer même quand ils meurent. Enfin ils continuent de tirer. Si ça c'est assez bien fait. Le coup du juste garde la... Je sais pas. Je pense pas que ça soit très... comment dire, perturbant ou qu'on puisse se prendre réellement des balles, mais je trouve ça assez stylé quand même. Pire, moi je fais du bunny jump là. Bunny jump. Hop, on se soigne, on reprend la trousse de soin, c'est parfait. On avance. Da 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 dam. Là, c'est caché en mode fond. Sans loin. Et là. Ah barbare. Et lui, il n'est pas mort, et là. Voilà. Ouais. Bon. Qu'est-ce que... Je capte le signal de Jankowski dans cette zone. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Mais franchement, je crois que le personnage est taré. Hein. Je veux dire, il a des putains de grosses hallucinations. En tout cas, il faut reconnaître une chose. Et là, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Les musiques de Fear sont juste trop épiques, quoi. Oula, what the fuck? Bon, par contre, je sais pas si dans la vie réelle les fusils à pompe font exploser les gens. Parce que ça me paraît bizarre quand même cette histoire. Mais bon, on sait jamais, hein. Après tout, moi j'ai jamais tiré au fusil à pompe, donc
Go, go, go! Alors, j'aime bien. L'escorte du SFODD a été neutralisée dans une en tombant dans une embuscade. Non, mais sérieusement, quoi. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais c'était même pas une embuscade. Allez, allez. C'est même pas la peine. Allez, y'a rien à dire, c'est pitoyable! Ils tombent pas dans une embuscade, ils font les gros boulets. Ils servent à rien, ces mecs-là. Allez, forcément. Forcément. Alors. Bon bah, il faut. Il faut passer par là, je sais pas pourquoi j'active le bullet time. Alors. Il est mort, là. Oh, on va voir le gros roux. Bon, alors, oui, vous aurez aussi remarqué que... What the hell? D'accord. Alors, vous aurez aussi remarqué que... Bah, du coup, je ne sais plus si l'élucidation à la cour m'a fait peur. Ne vous mettez pas sur ma route. Ah oui, que Fear, en fait, c'est un peu le level design du pauvre. Vous remarquerez, il n'y a pas grand-chose dans le niveau. Hein, des chaises, des tables, bon, des cadavres, des chaises, des tables. Bah, vous me direz, c'est pas plus mal. Un projet de bio-ingénierie lancé en 1973. Un truc en rapport avec des problèmes de santé liés à la microgravité, perte de la masse musculaire et de la densité osseuse, des conneries dans le genre. Est-ce que c'est une vraie maladie, celle-là? Même densité, enfin, part de densité osseuse et je pense, je pense quand même que ça doit être assez grave. C'était quoi ce ninja là? Mais c'est quoi ce ninja là? Attends, ça y est, on va se battre contre des ninjas là. Pedro, si tu regardes cette vidéo. Alors. Un numéro extérieur. C'est Carla, Hudson Avionics. Où sont passés les gens? Je n'arrive à joindre personne. Il faut que je parle à prête à propos des esquisses qu'il m'a envoyé. Mais il ne me rappelle pas. Il faut vraiment qu'il me contacte le plus vite possible. D'accord? Merci. Oh, ça c'est le genre de personne que j'aime pas. Avec des petites voix là comme ça qui font genre oui, je suis un gentil moi. Où est-ce qu'on va? On va en haut ou on va là-bas? On va aller là-bas pour voir ce qu'il y a. C'est jamais après tout. Ah bah il y a un fusil à pompe. C'est parfait. Bon. Bah maintenant on va en haut alors. Oula. J'aime bien la délicatesse quoi. Ouais, la porte elle est fermée, je peux pas l'ouvrir, c'est pas grave. Alors, putain, mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, les mecs, on va se battre contre des ninjas, là, c'est parti. Et contre les ninjas. Ah, n'empêche, il faut reconnaître qu'ils sont assez stylés quand même. Ils ont que 3 doigts ou quoi? Ah non, ils en ont 2, c'est juste qu'ils ont. Enfin, ils en ont 5, c'est juste qu'ils ont des gants qui fait. Font comme si c'était que 3. Ok, alors le ninja il doit être pas loin. Puis voilà que je suis en train de flipper comme un furieux là. Waouh! Oh yeah! Oh yeah! Alors là, j'ai flippé comme un furieux. J'étais complètement tendu ou quoi que ce soit.